cette peinture-là? Dis-moi ce que vous ressentez cette peinture-là. Dis-moi votre histoire. Du coup, j'ai fait cette petite vitre et tout ça. C'est un de mes deux premiers tableaux, voilà. Et du coup, c'est un tableau. Moi, j'ai l'impression que ça inspire un peu la forêt, la beauté, le printemps un peu. Après, dites-moi ce que vous ressentez, quelle histoire vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu quelqu'un qui regarde un peu des fenêtres, qui est posé, regarder la beauté. Après, les nuages avec les nuages qui passent et toute la beauté des nuages qui passent et de tout ce qui est beau et magnifique dans les nuages et qui peut dire, OK, oh my God, it's very beautiful. It's beautiful. Oui, it's beautiful. Et du coup, c'est un peu le côté où on passe de la peinture, du ressentiment de la peinture à la beauté, au fait d'aimer la peinture et au fait de la sincérité de cette peinture. Voilà. Le but, c'est vraiment faire de la peinture pour faire la peinture. Le but, c'est d'exprimer la beauté et la sincérité dedans. Je pense inspire un peu la sincérité et la beauté dedans un peu. Le côté un peu campagne, le côté un peu, tu sais, vous êtes dans un chalet et vous voyez ça dans un chalet, c'est un peu la fin d'un chalet, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sais pas ce que vous ressentez. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous avez comme histoire? Qu'est-ce que vous exprimez? Est-ce que ça vous met un sentiment? Moi, ça tire la joie, cette peinture. Je trouve que ça exprime la joie. Voilà. Je trouve des peintures comme ça, qui sont à moi. Et